Hello, hello. Pimskaï bien la kayo. Je dis un bal valo de légalisation des pièces. Comment capable légaliser une série de pièces d'un coup, extrait d'archives, diplôme baccalauréat, attestation, relevé de notes, etc. Merci le fait que vous regardez vidéo, pas hésiter à nous like et abonner avec chaîne pour toute info car toujours venir chez nous. D'abord, pour légaliser une pièce, que ce soit un extrait d'archives ou bien un diplôme baccalauréat, attestation, faut qu'on aille dans DGI d'abord pour aller chercher ça relève un timbre de légalisation. Timbre ça, on est capable de jouer dans n'importe bureau DGI, c'est ça le tadouye en principe. Mais pour jouer une pièce ça, pour jouer un timbre, on doit accompagner de un matricule fiscale. Si toutefois on pas de matricule fiscale là, eh bien, ou capable faire dans même DGI ça. Maintenant, on a commencé avec extrait d'archives. Qui parcours gain pour faire? Eh bien, pour légaliser un extrait d'archives, d'abord, on peut aller dans paquet. Par exemple, si on prend ici Port-au-Prince, on est capable d'aller dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, palais de justice, on prend un paquet ou aller. Lorsqu'on légalise dans paquet, eh bien, on peut aller dans le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le ministère de la Justice, l'a gagné pour les barreaux et un rendez-vous pour venir chercher pièce. Bon, ça a gagné environ 2 ans, ouais. Et dès qu'on barre pièce ça, sous 3 jours. Mais bon, il y a eu tellement changé qu'à faire n'importe 15 jours avant une pièce ça. Lorsque le ministère de la Justice avec pièce là, on peut aller dans le ministère des Affaires étrangères. C'est ici trois côtés ça, on a pour passer pour capable légaliser un extrait d'archives. Paquet, on n'a pas besoin de temps pour paquet, mais pour le ministère de la Justice avec le ministère des Affaires étrangères, on est obligé de marcher avec un thème pour chaque institution ça, qui a coûté 102 gouttes comme contribution. C'est ça qu'on a comme contribution dans DG. Maintenant, pour diplôme, attestation, relevé des notes, ou bien, oui, attestation 9e, qui ça ou a besoin de faire? Eh bien, pièce ça, ou pas bien pour faire même parcours. On est capable de dire, lorsque on va légaliser un extrait, ce n'est pas même bagaille. D'abord, on peut avoir le paquet. D'abord, on va aller dans le ministère de la Justice. Ça, c'est le premier barrage pour mettre notre tête. Mais qui va rien pour faire? On va toujours aller dans le DGI, soit légaliser un diplôme ou une attestation, tout ça. On va chercher un thème de légalisation pour le ministère de l'Éducation. Il faut qu'on précise ça. Toujours accompagner avec le matricule fiscal. Et si vous n'avez pas le matricule là, on va faire le DGI. Lorsque vous cherchez le thème là, on va aller dans le ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes étonné ça. Ministère a bon papier, il faut légaliser là-dedans encore. Ministère, l'offre légalisée dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est à ce moment-là où on va rentrer dans le ministère des Affaires étrangères pour capable finir avec ensemble de parcours que rien pour faire avec pièces que ministère de l'Éducation nationale barreau. J'aime dire nous, hein? On va bien pour passer dans toute institution ça sous besoin de légaliser une pièce. Et le regarder dans deux pièces, au vaisseau, ou après, ensemble de sous, par exemple, pour extraire l'archive là, après, sous paquet, sous ministère de la Justice, sous ministère des Affaires étrangères. Pour diplôme, non, c'est même bagarre, après, sous ministère de l'Éducation nationale, ou après, sous et ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est ensemble de travail ça, que vous faites dans la pièce là. Qui dit en réalité pièce soit li valide li capable servir n'importe côté surtout à l'étranger lorsque fréquenter une série d'institutions nous demandons pour pièce légalisée. Donc merci en pile le fait que vous avez pris un petit temps pour regarder vidéo ça c'est petite vidéo ça dépoté pour vous capable toujours abonner avec chaîne YouTube ça pour ne pas rater ensemble
info ça que n'a porté pour vous. Un grand merci. Le fait que vous prenez environ 5 minutes pour regarder vidéo ça. Pas ici de ban un like. Merci, merci. Donc avant m'aller, m'a dit nous pas oublier pour nous toujours laver mais nous c'est une moyen, c'est une stratégie, c'est une méthode pour nous utiliser pour nous capable éviter trapper maladie coronavirus. M'a tourner une prochaine fois pour me venir avec l'autre information qui capable utile nous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.